Moi, je suis vraiment content d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Mes étudiantes préférées cette année. Les seules, mais quand même les préférées. Okay. Non, c'est pas les seules, c'est pas vrai. On est une couple aussi. Cet automne, j'en avais plus. C'est sûr, à tous les lundis, on a eu la chance d'enseigner ces belles femmes-là. Oui, du violon, puis c'est un honneur pour moi de pouvoir partager un petit peu cet étonnement aujourd'hui avec vous autres. Ça ensoleille mes semaines quand je vais vous enseigner, fait que je suis content de pouvoir partager ça aujourd'hui avec vous autres. Fait que, on continue ça, puis si vraiment ça vous tente de danser à la maison quelque chose, il y a des petites tunes qui s'en viennent qui donnent du petit kick, là, gênez-vous pas, ok? Fait qu'on y va avec une set que je vous ai appris, c'est le quotidien des îles, Hilary l'Aristide. Puis le cotillon, juste pour faire une petite anecdote vite, le cotillon, c'est une genre de danse qui se dansait aux îles de Madeleine, chez nous certains, puis au Québec, je pense. Puis quand j'ai commencé à apprendre cette tune-là, j'avais à peu près 7-8 ans, puis mon père m'amenait dans les foyers de personnes âgées pour jouer cette tune-là. Puis à un moment donné, je la vois. Puis là, je regardais mon père toutes les 2-3 minutes pour voir si c'était fini. Mais c'était pas fini, puis il fallait que tous les cotillons, ce genre de danse-là, il faut que chaque partenaire change de partenaire jusqu'à la fin. Mm-hmm. Puis c'était une maison de personnes âgées qui avait beaucoup de monde. Fait que ça prenait du temps pour que ça finisse. C'était comme une demi-heure de temps à jouer le quotidien. Fait que cette tune-là, elle est dans ma tête depuis toujours. Mais c'est une super belle tune des îles. Oui, oui, avec ça. 1, 2, 3. Thank you.
Fait que là, la Dragger de Eddie, puis la Dot McKinnon de Kevin Chasen de Souris, puis la Puyen sur les Puyens de Bertrand Leras de Les Îles de Madeleine. Fait que c'est un melting pot de voix de Gélan de par ici puis des îles. On y va avec ça. Thank you.
on est bon pour la dernière, ça. Ça oui. Ça. Cliquez ça. Dernière. Fait que c'est 3 tonnes populaires quand même, que vous goûtez dans les sessions, ça. Puis j'ai de la misère tout le temps avec les noms, mais c'est Vanilla la première. Colin. Première, c'est ça. Deuxième. C'est Molly Rankin. Puis Mason. Mason Zebra. Et voilà. Voilà. C'est le fun de pouvoir avoir du monde qui connaisse bien les noms, parce que depuis des années, j'essaie de savoir les noms, mais moi, bien, de mieux en mieux, de vous avouer. Fait que merci les filles de me rappeler les bons noms. Je pense que nous, on est chanceuses d'avoir un prof qui est aussi ambivalent, parce que chacune, on choisit des tonnes, puis c'est toujours oui. S'il ne sait pas, il va l'apprendre, et 15 minutes plus tard, il la joue. On est vraiment chanceuses de pouvoir apprendre les tunes qu'on veut apprendre, d'un bout à l'autre de l'île, du Cap-Breton, d'ailleurs. Alors, merci, Pascal. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Fait que vous voulez me garder comme professeur? Est-ce qu'on peut enregistrer? Pascal, tu acceptes d'être notre prof encore pour un bout de temps? Oui, 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 absolument. Absolument. C'est filmé. Avis, c'est avis. Ou aussi bien qu'on toi. Super. OK, on y va avec la dernière scène. OK. Thank you.
Merci beaucoup tout le monde. Merci.